Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Nous nous retrouvons pour le dernier épisode de la saison 2, l'épisode 39. Et quand je regarde en arrière, je n'en reviens toujours pas. Mais là n'est pas la question aujourd'hui, et on en reparle en fin d'épisode. Cette semaine a vu l'aboutissement de presque 9 ans de combat pour rétablir une promesse non tenue, pour réguler une injustice. L'accès à la PMA pour toutes a enfin été voté après des hauts et des bas dignes d'une série Z, tant l'absurdité des débats était prenante. Alors pour cette fin de saison, j'avais à cœur de pouvoir vous faire part du témoignage d'un enfant de la génération d'avant, celle d'avant la loi du mariage pour tous, celle qui a subi et parfois souffert de l'ignorance totale de leur famille, celle qui a pu, pour certains, effacer cet affront et qui, pour d'autres, a vu des drames se nouer. Malgré le vote de la loi en 2013, le combat n'a fait que commencer pour elle. Faire reconnaître des familles séparées était de l'ordre de l'impossible et les dénouements heureux ont tardé à arriver. Je crois que 2019 ou 2020 sont les années qui ont vu ces situations se régulariser. Kolia a eu très vite conscience de ce qui se jouait au sein même de sa famille nucléaire. Sa mère sociale les a baignés dans ses difficultés de maman sans droit. Et les termes qu'emploie Kolia sont aussi durs que son vécu de la situation. Kolia est une enfant de cette génération, celle de l'entre-deux, des débuts d'accès à la PMA sans aucune reconnaissance possible ou envisageable, sans aucune protection de leur famille. Elle évoque une enfance difficile, tiraillée, prise en otage parfois, mais surtout une enfance vécue dans le secret. Son témoignage est prenant, poignant et capital à entendre. Il est la voix d'une génération privée de visibilité, d'enfants clandestins, si l'on peut dire, qui ont grandi dans le silence. Alors devenue adulte, elle a pris de la voix. Pour elle, il était évident qu'elle devait faire découvrir les histoires de ses familles arc-en-ciel. Et c'est au travers d'un recueil de témoignages qu'elle a réussi son pari, 15 pour être précis, d'enfants de tous âges, allant de 9 ans à 31 ans. Son livre, Gosse d'Homo, est sorti en mars 2021, et c'est une pépite. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Kolia. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. J'avoue que je t'ai sauté dessus quand j'ai découvert la publication de ton livre. On y reviendra plus tard. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Alors, tu as une configuration particulière puisque je vais quand même en me dire un petit peu plus. Tu es une enfant de couple lesbien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout d'abord, merci à toi aussi pour l'invitation et l'intérêt que tu as porté au livre. Donc je m'appelle Kolia, j'ai 21 ans, donc je suis né en 99. J'ai donc, comme tu l'as dit, deux mères qui sont aujourd'hui séparées, mais depuis longtemps. Et, pour ce qui me concerne, moi, je fais encore des études à Lyon, voilà. Et j'ai grandi à Paris. Et tu es autrice? Oui, alors ça, c'est accessoire pour moi, mais effectivement. Oui, mais quand même. Et alors peut-être que pour toi c'est accessoire, mais pour nous ce genre de témoignage, c'est inestimable. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers le retour qu'on m'a donné, et je trouve ça vraiment super que ça intéresse les personnes concernées, notamment les parents, tes parents futurs ou présentes. Donc, ouais, exactement. D'enfants plus jeunes pour la plupart du temps. Voilà, c'est ça. Alors raconte-moi, du coup, toi, tu as deux mamans. Donc tu m'as dit qu'elles étaient séparées. Tes deux mamans, tu es issue du couple de tes deux mamans? Oui, oui, exactement. Alors du coup, j'ai été conçue par PMA, donc alors évidemment pas en France, du coup, puisqu'à l'époque c'était oui. Encore plus compliqué qu'aujourd'hui. C'est ça. Donc mes mères avaient projet d'avoir des enfants, et donc j'ai été conçue aux Pays-Bas, en passant par les États-Unis, donc mon donneur est états-unien, mm-hmm. et d'origine Hong-Kongo-Taïwanaise, pour être tout à fait précise. Mmh. Et donc voilà, j'ai aussi une sœur qui a 3 ans de moins que moi, qui a le même donneur, la même mère biologique. Voilà pour ce qui est de ma conception. Et alors, tu m'intrigues, pourquoi passer par les États-Unis, enfin par un donneur américain, en passant par les Pays-Bas? Alors c'est clair que pour moi, c'est
une époque complètement différente, donc je me rends pas compte des contraintes de ce moment-là. Est-ce que c'est un donneur connu? Est-ce que c'est un donneur inconnu? C'est un donneur anonyme, mais dont nos mères ont pu connaître quelques traits caractéristiques, son histoire, sa famille. Alors évidemment pas son nom, hein. Oui. Donc c'est très ethnique, entre guillemets, même si ce terme pose beaucoup de problèmes. Et les États-Unis, parce que là-bas, alors je sais pas exactement comment c'est aujourd'hui, mais c'était l'une des seules manières justement de connaître les paramètres identitaires du donneur, ce qui n'était pas possible en Europe. D'accord, donc c'était un nom semi-anonyme, enfin ce qu'on appelle maintenant semi-anonyme. D'accord, en fait. Ben voilà, donc c'est ça exactement. Ben, c'est l'impression que j'ai, après peut-être que c'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'ai. Oui. Et c'est la clinique qui leur a trouvé le donneur ou c'est elles qui ont fait des démarches de ce côté-là? Ah non, c'est elles qui ont fait des démarches, elles ont vraiment mis très très longtemps à se décider, elles ont eu plein de choix possibles. Et en fait, c'est surtout l'une de nos mères, donc notre mère sociale, qui a vraiment investi beaucoup de temps, d'énergie et évidemment d'argent dans la recherche de ce donneur. D'accord. Et tu disais qu'elles avaient eu plein de possibilités, elles ont mis du temps à se lancer. Bon, c'est clair qu'à l'époque, il fallait vraiment tout débroussailler, hein, c'était pas la même chose. Elles vous ont parlé un petit peu de tout ça, elles vous ont raconté les démarches qu'elles avaient faites et les choix qu'elles avaient dû faire. De manière très précise, non. Ça a toujours été par bribes, et je dois dire que, pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai manifesté très très peu de curiosité à ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas tellement intéressé, et qui m'intéresse toujours pas en fait. Ça peut paraître étrange, étant donné que je milite quand même en faveur des droits des familles LGBT+. Parce que, comment dire, pour moi c'est aussi dû au fait que j'accorde très très peu d'importance à notre donneur. Pour moi, comme la famille est vraiment constituée de nos deux mères et de ma sœur et de moi, le donneur, c'est quelque chose de très accessoire. Donc, en termes concrets, on nous a juste raconté un peu des scènes, leur arrivée à Boston, la manière dont notre mère biologique n'avait pas du tout envie au départ d'être la mère biologique, mais dont notre mère sociale avait comme désir d'avoir un enfant, enfin, ou des enfants, mais ça n'a pas été possible d'un point de vue biologique, voilà. Donc c'est surtout ça qu'on nous a dit, et puis surtout, ce que j'appellerais moi une mythologie autour du donneur, à savoir ses qualités, ses capacités intellectuelles, ses corporelles aussi, le fait qu'il soit soi-disant bodybuilder, voilà, très très sportif, très très intelligent, et donc c'est aussi pour ça qu'il a été choisi, parce que voilà, il y a quand même un aspect, comment dire, que certaines et certains qualifieront de génistes, et qui moi me dérange un tout petit peu, d'autant plus que d'une certaine manière le choix du donneur a été réalisé dans une fin de compensation de certains défauts qu'il pourrait avoir de l'autre côté. D'accord. Donc ça peut paraître assez étrange, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Il faut bien des critères de choix. Oui, voilà. Comme ils avaient le choix, bon, ils ont choisi. Mais il voilà. Y a eu vraiment une hésitation au niveau du donneur. Hein. D'accord. Et pourquoi elles se sont rendues aux États-Unis pour le donneur si elles passaient par une clinique hollandaise? Justement pour l'intérêt qu'il y avait à connaître, à avoir accès à un certain nombre de données sur le donneur, ce qui n'était pas possible. Mais elles ont dû se rendre sur place? Oui, alors dans Pardon, le détail, mais je sais à l'heure actuelle, c'est pas le cas, donc. C'est vrai que je suis pas trop les avancées, visiblement elles s'y sont rendues quand même plusieurs fois justement pour réaliser plusieurs tentatives. D'accord. Donc en fait la clinique les a orientées. Enfin la clinique n'a eu qu'un rôle de relais finalement puisqu'elles sont passées par les États-Unis. Oui voilà c'est ça. D'accord. Ok je comprends. C'était vraiment différent. Oui c'est pour ça moi aussi je me reconnais pas forcément dans le vécu des familles d'aujourd'hui. Bah oui c'est ça exactement c'est marrant. Et donc, tu disais que tes mères, elles communiquaient pas. Ça me fait bizarre de dire tes mères. Ah Les bon enfants disent ça maintenant. Qu'est-ce que vous direz? Ils disent mes mères. Ah oui. Et, non, je sais pas, c'est bizarre. J'aurais tendance à dire mes mamans. Et du coup, mes mères, à chaque fois, je suis ta maman, je suis pas ta mère. mais quelle serait la différence? Moi, ça m'intéresse. Non, mais en fait, je sais pas, pour moi, en tout cas, la différence entre une maman et une mère, c'est peut-être le côté affectif.
Tu vois, c'est vraiment. C'est vrai. Je trouve qu'il y a moins d'affection dans le mot mère que dans le mot maman. Oui, alors de mon point de vue, en fait, nous, ma sœur et moi, on n'a jamais dit maman, mais même comme mot d'adresse, ouais. Ça nous a jamais. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'est très très étranger. D'accord. Donc, et le terme de mère, c'était plutôt dans une perspective égalitaire. Quand par exemple sur les formulaires administratifs, il y a écrit mère, père, bon ben il y a deux mères, ouais. Quoi. C'est pas des mamans. C'est à la limite, ouais, maman, ce serait dans un point de vue plus intime, mais encore une fois, non, ouais. On n'a jamais, on les a toujours appelés par leur petit nom ou par leur prénom selon. D'accord. Selon les circonstances. C'est elle qui avait fait ce choix-là ou c'est vous les enfants qui avez, enfin du coup toi puisque t'es l'aîné, qui a instigé ça. Alors je saurais pas dire exactement, mais je me souviens pas d'une contrainte quelconque. Non mais c'est normal, ça s'est sûrement fait quand t'étais toute petite et ouais. Du coup... Oui, c'est ça. Tu viens pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants arc-en-ciel qui disent maman et puis autre chose, ou alors deux fois maman. Ouais. C'est vrai. On s'est inspiré de... Enfin, on s'est inspiré. Au départ, c'était maman pour les deux. Et on voyait bien que Juliette, notre grande, elle était paumée. après, c'est pas le cas de tous les enfants. Mais nous, vraiment, elle comprenait pas. Quoi. On voyait qu'il fallait qu'elle identifie vraiment. Donc on a gardé maman pour moi, qui suis la mère biologique et qu'elle a toujours appelé maman. Et ma femme, elle l'appelle maman A, à l'initiale de son prénom. Et clairement, c'est issu de The L Word. Hein. Enfin, je vais pas te dire le contraire. Ah mais oui, bien sûr. Avec Tina et Beth. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est chouette. Donc ouais. Voilà. Non, mais c'est et pour le coup, elle se souviendra pas, hein, c'est sûr. Elle se souvient pas que c'est elle qui a instigé ça, mais finalement, ça vient d'elle. Mais elle était trop petite pour s'en souvenir. Intéressant. Donc voilà, ok, très bien. Et donc, tu disais qu'elles étaient parties pour faire plusieurs tentatives parce que ça n'a pas marché du premier coup. Bon, évidemment, je suppose que pour toi, c'est assez flou et qu'elles t'ont pas tout raconté dans les détails. Est-ce que tu sais si ta mère sociale a fait des essais ou si directement vous êtes passé par ta mère biologique? Non, justement, notre mère sociale a fait plusieurs essais. Alors, combien, d'accord. Je saurais pas dire. Et pour notre mère biologique actuelle, du coup, ça a fonctionné du premier coup. D'accord, ok. Oui, ce qui a dû être un soulagement pour le coup, parce qu'à l'époque, je pense que ça n'avait pas tout à fait le même coût que maintenant. Non plus. Ah bah, exactement. C'est, d'un point de vue financier, c'est, même si c'est encore cher, c'est vrai que ça représente un certain nombre de pièces. Oui, c'est ça, je me doute. Et alors du coup, comment ça s'est passé? Donc toi, tu es née tu m'as dit 99, c'est ça? Oui. Oh là là, 99, moi j'ai passé mon bac. My God. Bon bref, donc tu es né en 99. En 99, donc il n'y avait aucune reconnaissance de la mère sociale. Du coup, dans ton enfance, comment ça s'est passé pour vous? Oui, comme tu l'as dit, en termes de reconnaissance administrative et sociale, c'était zéro. Donc effectivement, pour nous, tout est passé par... la convention implicite, quoi. Et l'arrangement intrafamilial, ce qui n'a pas été sans poser problème, d'ailleurs, puisqu'il y avait énormément de conflits là-dessus, notamment au début, en termes de garde. Au début, au moment de la séparation, tu veux dire? Oui, pardon, évidemment, au début. D'accord, non, oui. Oui, pardon, je voulais préciser. Quand elles étaient ensemble, évidemment, il n'y a pas eu de problème. Mais comme elles se sont séparées, en fait, très très vite, en termes de garde, je veux dire, c'était 2004, je crois, donc... D'accord, t'avais 5 ans. Voilà, c'est ça, et ma sœur encore moins, donc... Deux, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de conflits, mais au bout d'un certain temps, ça a fini par s'égaliser. Même si l'idée au départ était quand même la garde alternée égalitaire, hein, mais comme elle, évidemment, il y a eu de très très nombreuses disputes, conflits, épisodes violents, il y a eu des moments de prise d'otage, si je puis dire. D'accord. Même si le terme pourra leur paraître violent à elle, moi je l'estime comme ça. Mais voilà, après, ça a toujours été une semaine sur deux en termes de normes. Et ça a été une évidence? Parce que quelque part, ta mère sociale n'avait, enfin, tu vois, aux yeux de la loi, elle n'avait droit à rien. Est-ce que ça a toujours été une évidence malgré la séparation, au niveau de tes mères, qu'il y aurait une garde alternée? Tu le sais, ça? Oui. Alors, dans les discours, notre mère biologique nous a toujours dit, ça a toujours été évident que Katharina était votre mère et qu'elle avait autant de droits. D'ailleurs, l'autre jour, il y a quelques jours, elle m'a même dit, dans les fêtes, c'était une parentalité égalitaire. Mm-hmm. Donc, bon, effectivement, mais d'un point de vue juridique, ça n'était pas du tout. Donc, je pense que c'est assez insuffisant. Oui.
Et il suffit pas qu'elles aient été toutes les deux d'accord pour qu'il y ait une garde égalitaire, pour que ça le soit effectivement. Et... Mais voilà, donc on a toujours été habitués, nous, à vivre chez l'une et chez l'autre, sauf en période de conflit dont je parlais justement. Oui, voilà, tout à fait. Et toi, est-ce que à ton niveau, à ce moment-là, tu ressentais une inégalité ou pas du tout? Tu te rendais pas compte qu'il y en avait une des deux qui avait moins de droits que l'autre? Ah, pour nous, enfin bon, je vais arrêter de parler de nous parce que c'est comme c'est moi qui parle, ma sœur n'est pas là, donc elle dira elle-même. Mais ça arrivera à ta sœur, je l'aurai aussi. Oui, alors, pour moi, très très tôt, j'ai eu conscience de ça, bah, tout simplement parce qu'on n'arrêtait pas de me le dire. Donc, d'accord. Et évidemment, surtout venant de notre mère sociale, puisque c'était elle qui en subissait les effets. Et justement, je trouve qu'elle nous a beaucoup trop, pas rejeté la faute sur nous, mais elle nous le répétait sans arrêt. Et je pense que du coup, on a un peu eu un mouvement de rejet aussi par rapport à ça. Mais elle nous répétait sans arrêt qu'effectivement, de manière très très juste et légitime d'ailleurs, qu'elle n'avait aucun droit, que... Elle devait en souffrir. C'est ça. Et sa peur, évidemment, c'était que notre autre mère parte... sans laisser de préavis, si je puis dire. Ah oui, bien sûr. Puisque, d'un point de vue juridique, c'était possible. Voilà, donc... Et puis, il y a eu très très tôt l'angoisse de l'adoption. Très très tôt, notre mère sociale a voulu nous adopter, ce qu'elle a pu faire il y a quelques années. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous avez régularisé tout ça ou pas? Voilà, maintenant, c'est régularisé. Donc, mais c'était 20 ans après ma naissance, quoi. Donc, ça a mis du temps. Et oui, donc, en termes d'héritage, notamment, très très tôt... nous a vraiment parlé d'héritage, du fait que notre mère sociale ne pouvait pas nous faire hériter, et que c'était l'une des raisons pour laquelle elle voulait nous adopter, pardon. Elles ont été très transparentes, en fait, hein, sur le... Enfin, elles ont... En tout cas, ta mère sociale a été très transparente sur les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, ce que ça engendrait pour vous, les risques aussi qu'elle avait, elle. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être trop, pour le coup, tu disais que tu l'avais un peu subi. Ben... Trop, je ne sais pas, mais elle a été transparente. Après, évidemment, je pense qu'elle aurait pu le faire d'une autre manière. Mais évidemment, le conflit entre nos deux mères s'est transposé sur nous, d'une certaine manière. Ouais, je crois que c'est valable dans tous les cas de divorce. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, pour le coup, c'est pas spécifique aux familles arc-en-ciel. Hein, alors là, effectivement, du coup, il y avait aussi le problème de l'inégalité juridique et administrative qui s'ajoutait à ça. Mm-hmm. Mais oui, tout à fait. Enfin, dans toute séparation, je pense qu'il va y avoir une transposition. Et, ouais, voilà, du conflit, c'est les enfants. Exactement. Et alors, donc là, on a parlé vraiment de votre noyau dur. Comment, toi, tu as vécu ton enfance avec deux mamans dans une société qui n'était pas encore ouverte à ça? Très, 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 très mal. Tenter qu'elle le soit déjà. C'est vrai? Oui, alors elle l'est un peu plus, mais... Non, moi, je l'ai très, très mal vécu. Je le vis encore très mal, mais parce que la société est violente et lesbophobe et queerphobe, hein, c'est pas du tout... Enfin, comment dire, au départ, ça s'est exprimé chez moi dans une forme de honte. Hein. J'ai aucun problème à l'avouer aujourd'hui. Jusqu'à très, très récemment, jusqu'au moment où je suis entré au lycée, à peu près, je pense que les gens savaient pas que j'avais deux mères, déjà. Et toi, tu as compris quand que ta famille était différente des autres familles? Ah, je pense, je saurais pas dater ça, mais très très tôt, à partir du moment où on a des souvenirs un peu concrets d'interaction, dès la maternelle. En fait, dès qu'on interagit avec d'autres familles dans un cadre institutionnel, à savoir l'école en l'occurrence, donc la crèche même, enfin, je sais plus exactement à quel moment, mais... Mais tout de suite, quoi, enfin, très très vite. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'au lycée, tu as commencé à parler de tes deux mamans? Pardon. Non, c'est vrai. Je me suis souvent posé la question... Je pense que c'est paradoxalement dû à une forme d'émancipation par rapport à la famille. Parce que moi, je vois la famille comme quelque chose de très oppressif, de très répressif aussi, comme en tant qu'institution, alors qu'elle soit LGBT+ ou pas. Hein. Et donc, je pense qu'au lycée, j'ai aussi commencé à m'émanciper un peu de cette structure familiale. Par exemple, en commençant à sortir avec des filles, avoir des relations... même des relations amicales plus approfondies, justement à ne plus dépendre de la famille. Alors évidemment, financièrement, symboliquement, on en dépend encore à ce moment-là. Ouais, du coup, ça m'a permis de m'ouvrir aussi, parce qu'au lycée, on se politise peut-être davantage.
On prend position. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis bon, moi, ma politisation a eu lieu assez tard par rapport à d'autres. Donc voilà, au lycée, il y avait quand même plus de discussions là-dessus. Après, j'ai aussi vécu, j'ai grandi dans un cadre très privilégié à Paris, dans le 9e arrondissement. Donc c'était pas le cadre le plus pénible à vivre. Ouais. Et justement, j'ai fait cette conjonction entre une politisation, une défense des droits des personnes minoritaires et ma propre famille à ce moment-là. Parce qu'au collège, il y avait quand même déjà... c'était aussi l'époque des débats sur le mariage pour tous. Voilà, les débats étaient très très présents. Et au lycée, j'ai fait cette conjonction-là entre ma situation privée et un cadre politique plus large. Et le fait que les autres en parlent, moi, ça m'a permis aussi d'avouer, du coup, en l'occurrence. Oui. Et aussi de changer de cadre, parce qu'au collège, bon, je connaissais les gens depuis... Quand j'étais en troisième, je connaissais les gens depuis que j'étais à la fin du primaire, quoi. Donc c'était difficile de dire « Ah, mais en fait, je vous avais pas dit, mais j'ai deux mères, alors que vous croyez que c'était ma tante et que vous saviez pas trop qui allait me chercher, qui venait me chercher à la sortie de l'école. » Donc au lycée, en arrivant dans un nouveau cadre, ça m'a permis de dire dès l'abord, mes mères, et sans faire de coming out en direct, quoi, sans dire « Je dois vous dire une chose, je suis vraiment très très grave, j'ai deux mères. Est-ce que vous m'acceptez quand même ?» C'était vraiment elle, au pluriel. Et ça a été reçu comment ? Très très bien. J'ai vraiment eu aucun problème au lycée. C'était parfois presque l'inverse, c'est-à-dire une espèce d'enthousiasme assez exubérant en termes de « Ah mais c'est trop trop cool !» Une popularité. C'est ça. Et du coup, on me posait des questions chouettes, mais j'avais aussi l'impression d'être exposé dans une foire, du coup. Oui. Évidemment, c'est beaucoup mieux que si c'était dans l'autre sens. Oui, évidemment. C'est ça. Donc là, vraiment, j'ai perçu zéro queerphobie. Et est-ce que parce que du coup, ça t'a peut-être un peu réconcilié aussi avec cette honte que tu ressentais parce que toi, tu ne le disais pas, mais a priori, tes mamans non plus, elles ne parlaient pas votre situation familiale auprès des institutions, sinon ça aurait été su. Oui. Alors ça a été assez ambivalent parce que quand on était plus jeune, les choses étaient très claires au niveau institutionnel. Les profs, les directrices étaient totalement au courant, les autres parents aussi d'ailleurs. Mais justement, à partir du moment où il y a eu une forme d'autonomisation et de séparation entre notre vécu scolaire et notre situation familiale, donc à partir pour moi de la fin de l'école primaire, parce que j'ai changé d'école primaire à un moment, donc les gens n'étaient pas forcément au courant au départ. Je me rappelle par exemple du fait que j'appréhendais énormément les réunions parents-prof, parce que les profs savaient pas forcément que j'avais deux mères. Et du coup, soit elle voyait tout le temps, enfin, il et elle voyaient tout le temps la même mère, ce qui m'arrangeait, du coup. Soit c'était la découverte et le dévoilement. Et je me souviens justement d'une prof au primaire, enfin, d'une institutrice qui a découvert que j'avais deux mères en voyant, en discutant avec notre mère sociale, justement. Et notre mère sociale est revenue à la maison en disant « Ah, mais Madame X savait pas du tout que t'avais deux mères. Pourquoi tu lui as pas dit ?» C'était même presque un reproche. Et moi, j'avais du coup à la fois honte de pas l'avoir dit, et honte, d'avoir deux mères à ce moment-là, puisque c'était quelque chose qu'il fallait avouer, préciser, alors que pour les autres, ça va de soi, quoi. Et alors, à partir du lycée, les profs étaient même pas au courant, parce que je pense que dans ce cadre-là, le cadre familial est assez secondaire. On prend beaucoup de distance, j'ai l'impression. Tu deviens indépendant, très indépendant même. Voilà, c'est ça. Et tant mieux, d'ailleurs. Oui, c'est clair. C'est vrai que le lycée, c'est quand même moi, ça m'a permis de m'épanouir. Vraiment, c'est ça. C'est l'épanouissement. Tout à fait. Mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que... Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais l'impression que j'ai sur le fait que tu aies pu ressentir une honte d'avoir deux mamans, ça a été essentiellement lié au fait qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de communication à un moment où tu en aurais eu besoin, auprès des institutions, comme en interne, dans votre famille, au sein de votre famille. Oui, partiellement. D'accord. Parce que je pense qu'elles ont justement tout fait pour que les personnes... ayant des responsabilités dans ces institutions, soit au courant. D'accord. Mais c'est surtout, en fait, pour moi, le fait que l'école, en tant que lieu de socialisation, ait aussi, reconduit des comportements queerphobes, en fait. Mes camarades étaient, comme la majorité des personnes, je pense, à l'époque, et aujourd'hui encore, lesbophobes, mais sans le savoir, quoi. Sans savoir que j'étais indirectement concerné par la question. Donc, c'est surtout cette inhibition qui était causée par des propos que j'entendais dans mes cadres de socialisation à l'école, mais aussi dans tel ou tel autre lieu d'activité, dans les médias aussi, qui sont encore aujourd'hui des espaces de haine assez particuliers. Enfin,
assez fort, quoi. Et alors aussi, le fait que dans ma famille élargie, pour le coup, il y avait quand même un énorme tabou là-dessus, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu? Dis-moi. Oui, j'en ai pas parlé jusqu'ici, du coup, puisque il s'agissait de la famille nucléaire, mais donc les tantes, les grands-parents, ça a été assez silencieux, si je puis dire. D'accord. C'était difficile, même au sein de la famille élargie, de parler de nos mères. Et ça a été vraiment un combat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce que... Bon, déjà, avec la publication du livre, du coup, les gens sont un peu obligés de réagir. C'est clair. Et du coup, tu associes ça plutôt à la séparation, qui est toujours clivante dans les familles, ou plutôt au fait qu'il n'y avait pas... Enfin, c'était pas bien accepté dans ta famille tout court? Il y a évidemment une partie qui est liée à la séparation, mais... Alors moi, j'ai pas de souvenir de cette période-là, mais d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que nous a dit notre mère sociale, justement, il y a quand même notamment une forme d'inacceptation dans notre famille dite biologique. Elle s'est jamais sentie reconnue en tant que mère, parce que tout simplement, les familles sont lesbophobes aussi, comme la société qui les entoure. Mais par contre, de l'autre côté, dans notre autre famille, donc qui se situe en Allemagne, la famille de notre mère sociale, on nous a dit qu'il y avait davantage d'acceptation, ou en tout cas moins de... un refus moins grand. Ce qui ne veut pas dire que cette famille-là était plus ouverte ou quoi, mais en tout cas, il paraîtrait que nos grands-parents de ce côté-là, du côté social, donc, auraient davantage accepté la compagne, du coup, de leur fille comme une sorte de belle-fille, même si elles n'étaient pas mariées, évidemment. Mmh. Et alors, tout à l'heure, tu me disais que ta mère sociale avait réussi à faire régulariser ses droits et les vôtres, du coup, vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce qu'elle a mis en place quand, je suppose très vite après le vote de la loi du mariage pour tous? Est-ce que tu peux me raconter cette partie-là, si tu en as souvenir aussi? Oui, bah, du coup, c'est plus récent. Je pense que les démarches ont... Elle nous en a parlé très très tôt, à partir de... Je dis peut-être des bêtises, mais moi, il me semble que c'est à peu près 2015-2016. Mmh. Ou plutôt, non, elle a commencé un peu plus tôt à nous en parler, mais les démarches effectives ont été réalisées à partir de là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une grande opposition de la part de notre mère biologique, du coup, qui voulait absolument pas, d'accord, que notre mère sociale nous adopte, parce que ça impliquait notamment un abandon de l'autorité parentale, ou plutôt un transfert de l'autorité parentale de sa part. Ouais. Ce qui veut dire que concrètement, du coup, ma sœur, qui avait 17 ans quand on a été adopté, n'était plus sous l'autorité parentale de notre mère biologique, jusqu'à sa majorité, du coup, puisque maintenant, la question se pose plus. D'accord, c'est étonnant. Voilà, et ça a été un gros problème, mais elle a fini par accepter quand même, in extremis. Donc voilà, la démarche a été très très longue, pour des raisons aussi liées au fonctionnement, je pense, des tribunaux, que je connais pas assez bien, du coup. Parce que du coup, vous avez bénéficié d'une adoption simple ou d'une adoption plénière? La plénière, enfin, quel que soit le cas, de toute manière, il me semble qu'il aurait fallu que tes mères se marient. Oui, oui, alors, bah, du coup, le mariage a été envisagé, mais bon, comme ils étaient séparés, ça aurait été un mariage blanc, évidemment. Oui, bien sûr. Finalement, ça a été abandonné parce que ça impliquait trop de contraintes et d'engagements. Et du coup, oui, ça a été une adoption simple. D'accord. Et pour moi, bah, j'étais déjà majeur, donc ça me concernait un peu moins. C'était plus pour des questions, justement, de matronyme, d'héritage, de symbole aussi. Et justement, parlons-en, du coup, tu portes le nom de tes deux mamans. Oui. Oui, oui, très très longtemps, jusqu'à 2019, je portais juste le nom Hifler. Mais du coup, ce qu'elles avaient fait, du coup, comme arrangement, c'était qu'elles m'avaient donné comme deuxième prénom le prénom du père de notre mère sociale, donc de mon grand-père. D'accord, pour qu'il y ait un lien familial. Voilà, exactement. Et pareil pour ma sœur, du coup. Alors du coup, moi, c'était un prénom masculin. Et du coup, ça m'arrange bien aujourd'hui de plus avoir à le porter. Oui. Et ouais, voilà, donc depuis l'adoption, en fait, j'ai pris voilà le nom de famille de ma mère sociale. Donc ça fait un nom un peu compliqué à prononcer, mais je me dis que c'est le prix à payer pour... Pour tu dois l'épeler un paquet de fois, je pense. Voilà, et puis même quand je l'épelle, les gens comprennent pas non plus, mais bon, je m'y suis faite. D'accord. Et qu'est-ce que tu referais ou tu ferais... Alors toi, c'est pas toi, mais comment tu penses que tes mamans... Enfin, tes mères auraient pu faire les choses d'une façon différente pour que toi, tu te sentes mieux, que toi, enfant, tu te sentes mieux. Ce que je dis souvent à ce propos, c'est que j'aurais... Alors évidemment, c'est difficile de faire la leçon à ces mères. Ce qui aurait été l'idéal, ça aurait été qu'elles-mêmes n'aient pas honte, je pense, parce que... D'accord. T'as cette sensation-là qu'elles avaient honte? Oui, tout à fait. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient quand même assez clean là-dessus, mais la force des normes fait quand même qu'il y a eu X situations durant lesquelles
finalement personne ne savait, tout le monde était dans le flou, et où aucun coming out n'avait été fait, et même dans notre propre famille, ce qui est quand même assez hallucinant, je trouve, quand il s'agit de personnes éloignées, qui étaient en fait pas au courant. Ouais. Et donc on nous demandait à nous, en présence de nos mères, ce que faisait notre père, par exemple, ou alors où il était, si on était... Parce que du coup, on savait quand même... Enfin, les personnes savaient qu'on était une semaine sur deux chez l'une et chez l'autre. Et on nous demandait après, mais du coup, la semaine prochaine, vous êtes chez votre père. Et évidemment, comment répondre à cela quand nos propres mères n'ont pas fait leur coming out ? Ne corrige pas. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ou alors, dans des situations de rencontre, même temporaires, dans des cadres sociaux, où on nous demande... où on demande à une personne qui m'accompagne, par exemple, « Ah, mais du coup, vous êtes la mère de Colia ?» Et celle-ci qui répond « Oui, oui, je suis la mère de Colia. » Mais, par exemple, avec l'autre mère qui est juste à côté. Et du coup, ça fait quand même... Après, il y a aussi des histoires de rivalité, de vengeance, etc. Oui. Mais du coup, pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça a été compliqué parce que ça voulait dire s'opposer à la fois aux normes hétéroparentales et aux normes intrafamiliales qui faisaient que il y avait quand même l'idée à chaque fois d'une supériorité symbolique d'une mère selon le cadre social. Oui, complètement. Est-ce que tu en as parlé avec tes mères ou pas de ça? Bah, pas tellement, mais justement parce que j'ai pas envie de leur faire un quelconque reproche, en fait. Oui, pas... je comprends. Parce que dans leur situation, j'aurais peut-être fait pire, j'aurais peut-être fait la même chose. On sait pas, on peut pas savoir, je crois, comment on réagirait. Exactement. Et alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu mieux, mais je pense que... les normes intégrées sont tellement fortes aussi que moi je le vois aussi avec ma propre transition. Finalement, les problèmes qu'on rencontre sont assez similaires, même s'ils ne sont pas identiques. Oui, non, mais si. Enfin, je pense qu'il y a quand même, enfin, globalement, avec les minorités, il y a des problèmes qui sont très proches les uns des autres. Hein. Quel que soit, alors que les minorités sont très différentes, hein. Mais souvent on se confronte systématiquement à la fermeture de la société, soyons clairs. Et alors, on va en venir à ton livre. Ça t'a donné l'envie, en tout cas ton histoire t'a donné l'envie ou a été le moteur de la création de ce livre, ou ça n'a rien à voir? Ah non, c'est totalement lié, c'est même l'une et la cause de l'autre. Donc, d'accord. C'est justement au moment où on a pu être adopté, donc officiellement, donc fin 2019, que ça m'a sauté aux yeux cette nécessité de sortir un peu des cadres privés, d'aller nous exprimer de manière publique et de raconter nos histoires, parce que avant voilà, j'avais pas intégré la dimension politique de la chose, mais comme le disaient les féministes dans les années 70, le personnel est politique, et là je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais, complètement. Et donc ça m'a aussi donné l'envie de faire quelque chose de collectif. C'est-à-dire que pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'écrire un livre de témoignages personnels sur mon histoire. Ça me paraissait aussi assez égocentré, donc je préférais faire quelque chose de collectif. Et comme j'avais quand même connaissance de l'existence d'autres familles arc-en-ciel, avec les assos comme la PGL, qu'on avait fréquenté pas mal quand on était un peu plus jeune, je me suis dit, mais en fait, effectivement, il faudrait contacter des gens, il faudrait faire des appels à participation pour voir déjà si les personnes sont intéressées. Et ça a tout de suite marché, c'est même allé très très vite. Il y a des personnes que je connaissais déjà, mais il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées justement par ces assos. Il y a aussi évidemment eu l'association des enfants d'arc-en-ciel, que j'ai du coup découverte à ce moment-là. Et voilà, après, donc, la forme livre aussi, elle est due à mon propre intérêt pour tout ce qui est littéraire, en fait, puisque voilà, mes études sont quand même liées à ça, au fait de produire quelque chose de permanent physiquement, enfin permanent, évidemment tout est périssable, un livre, ça, voilà, c'est ça. Parce qu'Internet, j'adore Internet, c'est vraiment génial, mais j'ai l'impression qu'on s'y perd aussi un peu, et le fait de faire irruption dans une librairie, ou dans les librairies, en l'occurrence, ça permet aussi d'avoir une distance. Ça rend la chose légitime. Ça nous donne un certain crédit aussi. Ouais. Alors, évidemment, il y a aussi les inconvénients de l'édition qui font qu'on doit faire des compromis. Mais... Ouais, tu vas m'en parler. Parce que justement, ton livre donc, s'intitule Gosse d'homo, récit d'enfant de couple lesbien. Et tu m'as fait comprendre que le titre initial n'était pas celui-ci quand t'avais demandé de l'adapter. Voilà. Enfin, c'est même pas qu'on m'a demandé, c'est qu'on l'a adapté. Enfin, on m'a prévenu qu'on l'adapterait. Effectivement, en fait, moi, mon idée au départ, c'était... j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre, mais j'avais comme idée, justement, nos mères au pluriel. Donc,
Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les mères tout à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, je ne m'étais pas rendu compte que le terme de mère pouvait poser problème aussi, de manière interne. Non, c'est purement, je pense que ça, c'est purement personnel. C'est personnel, mais c'est assez répandu, j'ai l'impression. Parce que justement, parmi les enfants, il y en a plein qui n'identifient pas leurs parents, tous parents, à une ou des mères, au sens vraiment propre du terme. Alors que moi, effectivement, ça avait été évident de dire nos mères, quoi, justement, d'affirmer cette égalité. Alors, évidemment, le terme de mère est lié à la maternité, qui est une situation sociale dominée, dans un monde hétéropatriarcal. Voilà, ça me semblait quand même mieux de dire nos parents sont LGBT+. Enfin, bon. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'après, faut que le titre du livre soit percutant quand même, non? C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais, et voilà, donc, Gosse d'Homme, évidemment, rien ne va dans ce titre, hein, mais bon. Rien ne va, mais en même temps, tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais de quoi ça va parler? Bah oui, en même temps, du coup, est-ce qu'on s'imagine pas aussi qu'il y aura des couples gays, par exemple? Si, complètement, effectivement. Mais en même temps, il y a le petit récit d'enfant de couple lesbien qui précise. Voilà, c'est ça. Donc heureusement, sinon, je pense que plein de personnes se tromperaient, quoi. Non, et puis je pense que c'est quand même très très important d'utiliser les termes qu'on a nous-mêmes choisis, quoi. Enfin, ça, c'est un peu la base, je pense, de tout militantisme, notamment dans le cas des minorités, quoi. Et voilà, quand il y a un éditeur qui n'est pas concerné par la question, dont le but est surtout la plus-value, quoi. Cette question-là passe au second rang. Hein. Ouais. Bon, c'est pour ça que je parlais de compromis. Non, mais je comprends complètement. Et donc, dans ce livre, tu proposes 15 témoignages d'enfants qui vont de 13 ans à 31 ans. Tu les as trouvés donc via les associations. Tu disais que tu t'étais rapproché au moins de la PGL. Tu as ressenti le besoin, parce que effectivement, de ce que tu nous décris, t'as pas connu d'autres familles comme la tienne durant ton enfance. Est-ce que c'est lié à ça que tu aies pu ressentir le besoin de te rapprocher de ces associations ou pas du tout? Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être laissé entendre que je connaissais pas d'autres familles arc-en-ciel, mais en fait, c'est pas le cas parce que on en connaissait, en fait, justement, parce qu'on allait souvent à des événements de la PGL. Ah oui, donc ça existait déjà, la PGL, à ce moment-là. Ah, carrément, oui. D'ailleurs, je pense que c'était un peu la seule source communautaire et d'information à l'époque. Hein. C'était vraiment, d'accord. Très, très important. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, c'était le seul nom que j'associais un peu au militantisme en faveur des familles arc-en-ciel. Donc, on connaissait déjà certaines familles. Alors, pas forcément de manière très, très suivie. Par exemple, on est resté en contact avec, des familles un peu de notre type. Donc, voilà. Mais effectivement, parmi mes amis ou mes connaissances proches, il y a quand même très, très peu d'enfants issus de familles lesbo-parentales. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu vas bien? Ah bah oui, totalement. Oui, c'est même pour moi, c'est évident. Je vais bien, mais il faut que nos droits avancent, vraiment. Enfin, on est d'accord. Ça paraît évident comme ça, mais... Parce qu'en fait, si on résume ce que tu nous as raconté, finalement, c'est ça, en fait, le problème principal. C'est que comme il n'y avait pas de droits, que la société n'était pas du tout ouverte à l'existence de nos familles, mais toi tu l'as subi. Oui, c'est ça. Et si certaines personnes comme moi ont eu honte à un certain moment, c'est en raison des structures normatives qui nous oppriment. Hein. C'est pas du tout parce que on aurait 2 mères, 3 mères, 2 pères, etc. C'est vraiment juste une question symbolique, administrative, juridique, vraiment, voilà. Pour moi, c'est vraiment le seul combat. Donc, toutes les personnes qui déversent leur haine sur nous sont totalement illégitimes. Oui. Sachez que je ne peux qu'aller dans ce sens. Du coup, pour en revenir à ton livre, donc là, il est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois. Oui, alors je suis très très mauvaise en calcul, donc... Non, il n'y a pas de souci. Attends, je vais regarder, mais il me semble que c'est très très récent. Mars, février 2021, pardon, ouais. Il est édité en février 2021. Ouais, finalement, il est sorti plus tard, mais du coup, c'était mi-mars. Ouais. D'accord. Tu t'es projeté dans l'écriture d'un deuxième, peut-être? Est-ce que tu as des bons retours sur celui-ci qui te feraient envisager peut-être autre chose, de poursuivre dans l'écriture de façon générale? Quel est l'avenir de ce livre? Alors... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça serve surtout aux personnes concernées, donc presque pas comme mode d'emploi, mais disons comme ressource, quoi. Comme guide, oui. Oui, voilà, comme guide. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un petit guide de survie, entre guillemets, évidemment formulé de manière ironique, hein, puisqu'il ne s'agit pas de survivre, mais bien de vivre. Ce livre m'a quand même permis de mieux connaître le vécu des enfants arc-en-ciel. Ça m'a donné envie d'écrire quelque chose de plus théorique, pour le coup. Sur la lesbophobie qu'on peut subir de manière indirecte. Mmh. En fait, moi, un livre qui m'a beaucoup inspiré, même pour ce recueil, c'est
le livre de Didier Ribon, qui est maintenant un classique, hein, mais qui est Réflexion sur la question gay, dont énormément d'analyses peuvent, je pense, se transposer à notre propre vécu d'enfant. Évidemment qu'il faudrait réarticuler, adapter. Et donc voilà, j'aimerais bien formuler des choses un peu plus abstraites et théoriques sur notre vécu et sur toutes les manières dont les enfants à cancer peuvent assumer, ne pas assumer, revendiquer leur statut. Après, j'avais... Parce que du coup, je m'intéresse à plein de choses en parallèle, mais je m'intéressais aussi au vécu du coup des enfants issus de couples gays. Mais du coup, je me sens beaucoup moins légitime parce que je suis pas concerné par la question. Et justement, si j'ai fait ce premier livre consacré précisément aux familles lesboparentales, c'est parce que j'étais concerné par la question. Et donc, il me semble toujours important de se situer par rapport au sujet qu'on étudie ou dont on traite, quoi. Oui. Parce que ça permet de pas prendre le sujet en surplomb. Voilà, ce livre-là permet juste aussi de me conforter dans cette idée que être concerné par le sujet, c'est vraiment très très important. Oui, c'est sûr que c'est important, ça donne une certaine légitimité, mais je pense aussi que grâce à ce premier livre, tu vas avoir une reconnaissance qui va te permettre d'accéder aux autres types de parentalité si tel est ton souhait. Oui, sans doute. On arrive à la fin de cet épisode, Kolia. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été réactive et de m'avoir accordé cet entretien, parce que je me doute que c'est pas forcément facile. Il y a des points que j'ai remué un peu ton enfance, peut-être des points qui étaient pas forcément, enfin peut-être plus sensibles que d'autres. C'est très important pour nous d'avoir ce recul-là, d'avoir le recul d'adultes qui ont vécu nos situations familiales pour savoir justement peut-être les erreurs entre guillemets, bien sûr, à ne pas reproduire, ou en tout cas pour avoir des billes, et donc ton livre qui va nous servir de guide, je pense, pour l'éducation de nos enfants qui, eux, sont de la génération suivante, en fait. Merci beaucoup à toi, Constance, et puis j'espère que ça intéressera les auditeurs. Oh, je pense, oui. J'ai beaucoup de demandes dans ce sens, donc je pense que ça va vraiment... on est vraiment curieuse et curieux d'avoir ces témoignages-là, donc je pense que ça va être écouté, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Super. Je te remercie beaucoup, et puis je te dis à très bientôt. Je rappellerai en note de l'épisode et sur le compte Instagram des Enfants vont bien le nom de ton livre et ton nom à toi, évidemment, pour pouvoir le retrouver. Merci. Et puis, je te souhaite de pouvoir continuer à donner la parole à plein d'enfants, ou en tout cas à pouvoir théoriser nos vies de famille pour qu'on puisse avoir de quoi faire pour la suite et surtout pour les futurs parents. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée à tous. C'est ainsi que s'achève cette deuxième saison, sur une victoire bien amère toutefois, puisque l'accès à la PMA pour toutes est finalement discriminant. Quid de l'accès à la PMA pour les personnes transgenres? Quid de la GPA? Quid de la FIVROPA? Finalement, le combat n'est pas terminé, et je crois bien qu'une saison 3 va être nécessaire pour encore donner de la voix. Je n'avais pas trop de doutes là-dessus, mais comme vous le savez, j'espère que mon podcast aura très vite vocation d'archive. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un format très court pour vous faire passer un bel été autour de moments feel good dans nos parentalités. D'ici là, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez comment faire, mais je vous le répète, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou de noter le podcast, 5 étoiles et la meilleure note, je le précise, on ne sait jamais. Et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour poursuivre la discussion ou en démarrer de nouvelles autour de vos témoignages. Je vous souhaite un bel été. Nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Josephine, even when the
my soul's an amputee. And my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone, less alone.